Redonner un visage plus avenant à nos cités et les rendre intelligentes, c'est le projet en construction dans les laboratoires de l'École nationale supérieure des travaux publics. À la manœuvre, sa promotion pionnière d'architecte. L'École nationale supérieure des travaux publics est en partenariat avec l'Université de Padova en Italie. Le partenariat a fait renforcer le niveau de formation à NSTP. Dans son édification, l'institution de formation bénéficie d'une échelle dorée, fruit de son partenariat avec l'Université de Padoue en Italie. L'Université de Padoue s'est engagée à accompagner l'État du Cameroun à former les meilleurs architectes qui sont indispensables pour notre émergence en 2035. Deux semaines penchées sur la planche à dessin, se relève une génération futuriste. Nous avons travaillé sur un projet de construction d'écoles intelligentes. Nous avions 13 groupes. Durant ces deux semaines, ils ont travaillé durement et je suis fier de mes étudiants. La consigne était de proposer une maquette de maison écologique construite sur un flanc de montagne. Brique par brique, Elie Geffa, quartier siège de l'École nationale supérieure des travaux publics, s'érige désormais en plaque tournante de l'architecture dans la sous-région.